Alors après tous les fails de la journée, je vais juste vous laisser avec un replay de Crimson Clover, je vous en parlerai plus tard. On se fera peut-être une partie en live, mais vous allez vite comprendre pourquoi c'est un replay que vous mangez. C'est tout simplement parce que discuter ou parler pendant la partie, c'est relativement improbable vu la densité de boulettes que vous allez voir. Alors prenez pas peur, c'est un jeu qui est super accessible. On recommanderait même aux débutants, parce que l'évolution dedans est très très progressive. Il est entièrement paramétrable, ce qui fait qu'on peut se créer ses modes de jeu quasiment. Si on est un gros pervers, il y a moyen de faire claquer un épileptique en moins d'une minute, je pense. D'ailleurs, je rappelle que mon disclaimer de tout à l'heure est toujours valable. C'est-à-dire, les gens qui ont vraiment des problèmes avec les choses qui clignotent à l'écran, je leur conseille de regarder un autre stream chez un voisin, ça serait beaucoup mieux, parce que là, ça va quand même fatiguer les yeux. Alors, on est à la fin de journée. Si vous avez eu une grosse journée de taf, c'est peut-être pas forcément le truc à regarder tout de suite. Gardez-le au chaud pour plus tard, quand vous serez en forme. Oui, ça fait impressionnant, on dit comme ça, mais vous allez vite comprendre pourquoi. Donc voilà le petit replay mis de côté qui correspond à ma première partie sur ce damné jeu. Vous verrez qu'il y a de gros fails, il y a aussi des moments de gloire, et puis j'aurai le bonheur de parler un petit peu par-dessus, parce que si on m'avait enregistré l'audio pendant la partie, les seules choses que vous auriez remarquées, c'est les moments où je retiens ma respiration. Parce que il y a des passages où quand même ça passe, on y va, genre on n'est pas vraiment convaincu quand même. Et puis les autres moments que vous auriez remarqués, c'est les grands soupirs, genre juste après une bonne grosse vague de boulettes à travers laquelle on vient de passer. On va regarder tout de suite ce que ça donne en concret. Oui, madame. Donc, comme dans tous les bons shoots, hein, tir principal, on maintient appuyé, ça ralentit un petit chouïa le vaisseau. Tir secondaire, c'est un espèce de lock-on qu'on voit sur le sol, et qui lock aussi les parties importantes, genre tourelles, sur les ennemis un petit peu costauds. Et bien entendu, le troisième tir qui se déclenche quand la petite jauge que vous voyez un petit peu en haut à droite est bien pleine, qui vous propose une méga bombe et un mode. Gros cochon qui tire dans tous les sens. Parce que là, pour l'instant, sur l'écran, il n'y a rien. C'est vide. Comment ça, j'exagère? Non, non, pas du tout. C'est vide, je vous garantis. Et bon, ça, c'est le premier stage. Donc, c'est la prise en main, c'est normal. On teste un petit peu, voir si effectivement vous avez des antécédents épileptiques ou pas. Mais pour l'instant, ça reste relativement gentil. Ça va vraiment se corser au troisième stage, en fait. Alors pour le slalom entre les boulettes, le truc qu'il faut savoir, c'est que c'est le bouton de lock qui vous ralentit vraiment le vaisseau pour arriver à passer, ben, on va dire le petit cercle qui est sur le dessus du vaisseau. Là, on sent l'importance du lock, par exemple. Quand je vous avais parlé d'avalanche, je pense que c'était pas exagéré sur le terme.
Dans le mode débutant, ce qui est grave, c'est que la vitesse du vaisseau est parfaitement adaptée. Pour faire le slalom, c'est juste assez pour échapper aux boulettes, et pas trop pour pas se fracasser dessus comme un gros. Je rappelle quand même que jouer avec un pad Xbox, c'est quand même limite du sadomasochisme, parce que faut avoir le doigt dans une certaine position, le pouce sur le A et sur le B en même temps, quasiment. Enfin, faut temporiser un petit peu pour les locks. Et c'est super pénible, et on peut pas reparamétrer les touches. Ce qui est complètement honteux, quoi. En général, les tirs annexes sont vachement bienvenus sur les gâchettes quand on a la malchance de jouer avec un pad. Alors, faut pas se laisser impressionner par la quantité d'éléments à l'écran. Je sais pas si vous remarquez, mais on sait toujours où est le vaisseau, malgré tout le déferlement d'effets visuels et de boulettes. Il n'y a aucun souci sur ça. Il y a une lisibilité qui est exemplaire. Le truc, c'est de rester focus sur ces 10 pixels de cockpit et de pas trop chercher à en faire plus, quoi. Genre, choper des points faibles en face, tout ça, non. À la limite, on identifie vite le vaisseau, le type de vaisseau que c'est, savoir si c'est un gros. Que si on le laisse trop longtemps, il va faire de la pattern, et s'il y a des potes à lui qui arrivent, enfin, les patterns se mélangeant, ça va être ingérable. Donc forcément, oui, on fonce un peu dessus. Mais sorti de ça, il n'y a rien d'extraordinaire à faire. C'est juste un petit exercice de gymkhana, qui est accessible vraiment à tout le monde. Bah, la preuve, j'y arrive. Alors, j'ose à peine imaginer ce qu'il doit donner dans les modes très avancés, quoi. Parce que là, pour l'instant, on va arriver au deuxième stage, c'est tranquille aussi, quoi. C'est le troisième qui va faire mal. Le troisième va commencer à vraiment piquer les yeux, puis il va y avoir une. Bah, on se tape de la fatigue visuelle, forcément. Ceci dit, après quelques parties de Limbo, ça défoule bien. Alors, on me souffle dans le chat que, d'après ce que j'ai dit, c'est donc un jeu. Il ne faut pas regarder les jeux. Mais c'est quasiment ça. Il y a beaucoup de jeux comme ça. Jeux de tir, évidemment. Où, très souvent, on ne profite pas des effets visuels, du décor et de toute la finesse qu'il y a à l'écran, des choses qui sont affichées, parce que effectivement, on est vraiment focus sur le petit spot qu'on va balader entre les autres boulettes. Et grosso merdo, au bout d'un moment, le cerveau fait totalement abstraction de ce qui se passe derrière, quoi. C'est le principe du shmup, et je pense que les gros gamers qui maîtrisent vraiment. Doivent jouer vraiment dans ce mode-là. C'est-à-dire que on leur mettrait des Mickey avec des petits bonhommes issus des Game & Watch qui tireraient plein de boulettes, ils s'en rendraient même pas compte, tellement ils sont focus sur leur verso et les patterns qui se présentent et le chemin à gérer ou à envisager pour se frayer un passage. Et bien souvent, les programmeurs, ce qui est rigolo, ça on l'apprend vite dans les premiers shooters. C'est que les programmeurs ont tendance à jouer le vice parce qu'ils savent très bien que face à une quantité de boulettes trop importante, on a tendance à s'affoler. Et très souvent, quand on a les pires patterns, le plus sage, c'est de pas bouger. C'est un cas qui se retrouve très souvent dans beaucoup de jeux. Et c'est vraiment très très rigolo. Parce que du coup, on voit le noob qui lui va pas arrêter de bouger dans tous les sens. Et en fait, il va se foutre sous les boulettes une fois sur deux. Et puis on a le mec qui connaît un peu le jeu, qui lui va être vraiment tranquille à faire son petit chemin entre les boulettes, et puis se poser à des moments, genre à l'endroit de l'écran, et pas bouger parce que c'est un safe spot, et même pas à se prendre la tête. Alors on sait très bien, c'est avec des techniques du shoot, que quand on est à un endroit de l'écran, c'est là que les tirs vont aller. Donc on anticipe et on attire les patterns de tir à des endroits qui sont
plus favorable pour qu'on puisse faire un dégagement de l'autre côté, par exemple. J'aime bien parler comme un vieux gamer connaisseur, ça fait vachement bien. Je crois que je vais me déverrouiller un bug, je veux rien pour ça. Alors jusque-là, ça allait pas mal. Mais voilà, toutes les bonnes choses ont une fin. Donc là, je vais commencer à me faire dérouiller. Mais bon, c'est un premier run, hein. C'est pas un prétexte ni une excuse. Je trouve que c'est pas trop crado pour un premier run. C'est pour ça que j'ai pas honte de vous faire voir ce replay. En plus, je peux aller chercher à boire pendant ce temps. Alors je me demande à quelle vitesse tourne le stream, s'il est dans les 60 Hz ou s'il est plafonné en dessous. Parce que c'est vrai que quand c'est bien animé, c'est agréable à regarder. Enfin, je regarde le replay. Le replay du replay, bien entendu. Toujours rester zen. Quoi qu'il arrive, il y a un passage. Ça, c'est l'erreur du débutant. Ah, le fameux break mode. Là, on peut tataner en mode illimité. Mais il faut pas se jeter sous les tirs, comme je viens de faire. C'est très mal. Alors, on me dit que ça a l'air propre. Moi j'entends par propre que ça ait l'air de la qualité des vidéos qu'on voit bah, justement sur Steam. Enfin, ils font voir les vidéos prévues des jeux où c'est très smooth, c'est du 60 Hz quoi, c'est nickel. Moi j'aimerais beaucoup que le stream se rapproche de cette qualité là, point de vue à cet affichage. Parce que il va y avoir toute une série shmup, donc tant qu'à faire, autant faire l'effort de faire les réglages comme il faut pour que ce soit vraiment des agréables à regarder. Ça. J'avoue que ce passage, quand je l'ai fait, j'ai un peu rien compris ce qui m'arrivait. Je vais être très honnête. Bon, eux, je les aime bien parce qu'ils tirent deux partout sauf au milieu. Le souci, c'est qu'après, ils arrivent à plusieurs. Moi je suis épaté sur le boulot de visibilité quand même malgré le bordel qu'il y a à l'écran. On voit que les gars sont quand même un peu au courant de ce qu'ils font, il y a une certaine maîtrise. Hein. Ah là on va rentrer dans les énervants. J'avais pas bien compris comment ils fonctionnaient cela, si on pouvait péter la tête directement ou s'il fallait commencer à péter le corps pour avoir accès vraiment au point faible de la tête. Pendant qu'ils distribuaient leur gentille petite. Myrtilles de partout. Les myrtilles, c'est bon manger ça. Ne jamais se faire coincer dans les ongles. Ça, c'est dans les premières règles du chemin. Bon, là, c'était ouais, trop d'informations. Donc, la bombasse qui va bien. Ces grosses boules là, elles ont pas l'air super méchantes, mais je pense que dans les modes au-dessus, quand il doit y avoir des boulettes suicides, ça doit être un véritable cauchemar. Là voilà, il commence à arriver avec des copains, toujours dans le calme, jamais de stress. Bim,
sachant que les boulettes sont annulées quand le vaisseau pète. Donc des fois ça se tient à pas grand chose, mais ça passe. Alors qu'est-ce que c'était celui-là? Je m'en rappelle même plus. Ouh, je crois qu'il m'a fait un peu de mal lui. Il m'a un peu gonflé. Comme d'habitude, ça démarre toujours bien avec les boss. Mais l'important, c'est pas le démarrage. C'est l'arrivage. C'était osé, mais c'est passé. En fait, je m'auto-spoil, mais si c'est celui que je crois, il y a un moment, il va plus y avoir qu'une espèce de boule. Et il fait comme un ballon de basket, et moi, comme un con, je me le prends sur la gueule très fréquemment. Parce que ça me surprend d'avoir un boss qui rebondit sur un bord d'écran dans un shoot. Ça c'est la peur du débutant, genre non je vais pas faire le tour, mais si tu vas faire le tour. Bon pour les avertissements sur l'épilepsie, je pense que j'ai pas charrié, hein. C'est quand même assez, assez sauvage. Là, j'ai poussé un soupir d'enfer après celui-là. Mais bon, il va revenir sous un mode très pénible. Là, ça va encore. Tiens, il meurt encore. Quand le joueur continue de tirer après la mort du boss, c'est que ça l'a énervé. C'est classique. Ils sont pas particulièrement difficiles ceux-là, mais faut pas se laisser déborder par la quantité. Parce qu'après on va avoir le problème que j'ai eu là, si je me rappelle bien, où je me suis fait coincer dans l'angle. Et j'ai dû passer une bombe. Il y a un moment ça m'est arrivé, je crois. Alors ça impressionne, mais c'est pas dangereux. Ce qui est dangereux, c'est quand ça tire jamais droit. Genre les spirales, ça c'est méchant. Une spirale tout seul, c'est gérable. Par contre, dès que ça commence à mélanger, gérer les croisements, ça devient moins évident. J'ai beaucoup aimé ce passage. À la fois évident, mais quand même, on fait pas le fier, quoi. Donc je crois que là, oui, sur l'audio, c'est un des moments dans le jeu où j'ai dû arrêter de respirer pendant 2 minutes complètes. Il y en a un de moins à chaque fois, mais ça se resserre.
En fait, c'est ça qui est bien avec ces shoots, c'est qu'il faut pas, faut éviter de trop réfléchir. Réfléchir, c'est du temps perdu. C'est des réflexes en moins, donc faut y aller, quoi. Faut y aller avec une certaine parcimonie, mais faut pas hésiter. Allez, quand c'est trop la panique. Et à chaque fois, je me jette sous les tirs quand je suis en perse avec. Il était temps qu'il meure, celui-là. Il y a même des lascars qui arrivent pendant le récupérage de bonus. J'ai trouvé ça un petit peu limite quand même. Surtout que eux, ils sont clairement pas là pour passer à côté, hein. Genre, c'est mode suicide. Petit angle, voilà. Le petit angle qu'il fallait pas. Ah, lui, il fait la misère, lui. Faut jamais stresser, jamais, ça sert à rien. Mais bon, cette aventure me fait me demander si je vais pas me payer un petit pad arcade. Ne serait-ce que pour avoir quelque chose qui se joue à plat et où on tapote les boutons plutôt qu'un pad, parce que le pad c'est vraiment insupportable quoi. J'aurais jamais cru que dans ma vie je dirais ça. Parler comme quelqu'un qui a des goûts de luxe, mais en fait non, c'est vraiment du confort. La position du pad est vraiment pas du tout agréable. Ça fatigue les doigts. Avec un bon vieux joystick avec les boutons à plat, la marque du mégot sur le bord, c'est juste parfait comme disent les vieux. Limite. Voilà, ça c'est les patterns que j'aime. Ceux qui font un peu pleurer. Là, je savais pas où ça allait partir, donc j'ai fait bon, je sais pas où je me mets. Ah, sous un tir, tiens. Bon, c'est donc le boss final qui finit sous la forme d'un ballon de basket. Je m'en rappelais plus, mais il m'a énervé à la fin. Et puis il y avait une certaine fatigue visuelle, je le rappelle, au cas où les gens ne le remarqueraient pas. Ça pique un peu. Mais c'est ça qu'on aime. Donc les tiouf, ça c'est les locks réguliers. En général, faut locker, compter 1, 2, 3 dans sa tête, 1, 2, 3, 4, et on relâche. Et on envoie pim, pim, pim tout le long. Sachant que c'est le pouce qui le fait alors qu'il est déjà occupé avec la touche X à maintenir appuyé pour avoir un max de tir actif. Qu'à un moment sur le pad,
J'avais ouais, le pouce qui faisait les deux boutons et j'avais carrément l'index de l'autre main qui est sur le stick analogique qui était prêt à appuyer sur B, enfin, sur la touche pour la Mega Drive, quoi. C'était vraiment n'importe quoi comme positionnement de doigts. Ne jamais désespérer, il y a toujours un passage. Sauf des fois. J'ai du mal à imaginer ce que ça va donner dans les modes qui mettent des fessées. Je pense que le terme orgie de boulettes pour ce niveau n'est pas exagéré. Bah, je peux vous garantir que je vais manger des pâtes au beurre pendant des jours. J'ai plus très très envie de boulettes. Il y a des moments où on fout des coups de super bombe uniquement parce qu'on a mal aux yeux et qu'on aimerait bien cligner un bon coup les yeux parce qu'on n'y voit plus rien. C'est vrai, sans exagérer, ça arrive de temps en temps. On a tellement bloqué sur l'écran, les pupilles écarquillées, qu'on est là, on fait non, mais là, faut que je me rince le pare-brise. 3 secondes, il me faut vite une super bombe. Oh. Ça, c'est une erreur fatigue. Juste avant la fin du boss en plus. Et voilà, en revenant. Ils vont me mettre déjà un coup de patte dans la gueule pour se signaler. Alors celui-là il est bizarre comme niveau qu'on ne connaît pas parce que on démarre avec un boss qui remonte par derrière, puis ton continuant de se faire assaillir par les petits tanks là qui descendent, et du coup on sait pas du tout ce qu'il faut faire, s'il faut trouver un moyen de passer de l'autre côté du boss, si au contraire il faut rester en haut et arroser comme un cochon. Donc moi j'ai essayé de passer en dessous là comme un goré, en me disant oui bon ça va bien finir par passer. Et là, en fait, j'ai fait du culot, quoi. Alors je dis pas grand chose, mais je vois pas ce qu'il y a à rajouter sur ce
Déluge de boulettes géantes. Oui, là j'avais pas trouvé de chemin. Clairement. Là, il y a eu un gros soupir. Mais en fait, c'est pas fini. C'est ça le drame. Brace yourself. C'est sûr qu'on va se brasser. Là. Alors, un boss qui commence avec des petits vaisseaux, mais qu'est-ce que c'est? On se serait moqué de moi? Et on se rend vite compte que, tiens, ça va tenter la saturation peut-être. Hein. Il n'y a toujours pas de gros. Mais voilà. Que vois-je derrière? Je teste, hein. Ça c'est les premiers tests, on essaye de voir si ça passe. Comme ça on sait ce qu'il faut faire et surtout ce qu'il faut pas faire. Alors là il y a eu deux trois passages glorieux au milieu d'autres beaucoup moins comme ça. Mais ouais, c'est assez délicieux à faire ça. Il faut démonter tous ces petits toutes ces petites tourelles là, une à une. Et là on n'est pas loin, voilà, du passage où il m'a pris pour un con. Bonjour, on va faire un basket. Donc moi je suis arrivé là-dessus, j'ai fait quoi? Ça m'a carrément perturbé. Donc je me le suis ramassé sur la tronche plusieurs fois d'affilée. Parce que j'avais un peu de mal à admettre que le boss finisse avec cette forme-là. Genre, ouais, viens, on fait un basket, quoi. Ça m'a complètement pris au dépourvu. Et la fatigue est donc, j'ai eu envie que ça se finisse vite. Voilà, voilou pour Crimson Clover. Donc, si vous aimez l'enfer des boulettes, vous avez envie d'essayer, mais vous n'êtes pas sûr que ça sera votre délire. Moi, je vous le recommande. En ce moment, il est en promo sur Steam. Si je l'ai récupéré, ouais, c'est qu'il devait faire soit 4,99, soit 7,49, un truc comme ça. Pour ce prix-là, allez-y, foncez. C'est un bon investissement. Le soir avec des potes à l'apéro, ça peut passer un bon moment parce qu'il y en a qui peuvent faire justement ces fameux moments de gloire tout en rigolant avec les copains autour. Je ressens, il n'y a rien à redire. Pour le prix de la promo, faudrait pas passer à côté si vous avez envie de vous amuser un petit peu. Je vous présenterai pendant les jours qui viennent d'autres jeux. Donc il y aura Mushi Emesama. Je vous ferai pas Ikaruga parce que je suis une burne à Ikaruga. Par contre, je vais essayer de me chauffer un peu sur un shmup que je connaissais pas du tout qui s'appelle Revolver 360 Reactor. Et qu'en fait, un shmup sur lequel qui a la particularité d'être tout en 3D, mais pas juste sur le rendu. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes dans la scène en 3D,
et vous avez les gâchettes pour pivoter. Et ça a deux intérêts, ça a aussi des défauts, mais ça a deux intérêts surtout, c'est que ben, en rideau de boulette, pouf pouf pouf, vous appuyez trois fois sur la gâchette, vous avez pivoté de 90 degrés, ça devient une ligne de boulette au-dessus de laquelle vous pouvez passer. Et l'autre truc, c'est que les boss, ben, ils ont plusieurs endroits sensibles que vous ne verrez pas forcément en entier à l'écran. Donc il va falloir faire pivoter la vue, pouf pouf pouf, pour arriver à accéder, je sais pas, à une patte qui est cachée, ou une tourelle qui est de l'autre côté, un truc comme ça. Mais celui-là, vu le bordel que c'est à l'écran, il va falloir que je m'entraîne un petit peu dessus avant de vous le lâcher en stream. Sinon, vous allez vous moquer toutes les 30 secondes. Et c'est pas le but du jeu, je pense. Par contre, à regarder, il est visuellement splendide. Sur ce, merci d'avoir regardé le stream. Si vous aimez les shmups, ben, suivez ce compte Twitch. Il va y en avoir d'autres, je pense. En plus, je vais essayer de ressortir des anciens que j'avais. Je vais essayer de faire aussi ce que j'avais promis, des bonnes vieilles ROM MAM pour ressortir les vieux classiques, maintenant que je commence à savoir sur quel bouton j'appuie dans OBS par exemple. Et puis voilà, à bientôt, très très bonne soirée.